Bon, on est avec le loulou. Doucement, tu tires là. Doucement. Donc lui, il est chez l'association Instinct de Survie. Donc là, je le teste un petit peu, que ce soit avec les gens ou les chiens. Bon, après, je pense que c'est un chien qui sort pas beaucoup. Alors ici à la pension aussi, hein, il sort beaucoup. Mais il sortait pas beaucoup parce qu'il est vachement curieux. Hein. Que ce soit avec les gens ou les chiens. C'est pas un chien qui est méchant. Viens chouchou, allez, on y va. On va se promener. C'est pas un chien qui est méchant, au contraire. Il demande qu'à apprendre. Alors par contre, il tire beaucoup. Là, pour l'instant, je le laisse faire. En plus, à une main, là, c'est galère pour filmer. Mais je pense qu'il demande plus à apprendre qu'autre chose. Donc là, regardez, je vais déjà vous faire quelques contacts. Doucement. Vous ralentissez avec vos chiens. Je vais faire un petit contact juste tranquillement. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà, super. Très bien. Ok. On passe à autre chose. Ouais, super, mon bébé. Très bien. Voilà, super. Ouais, très bien. Super, mon titou. Tu prends ton chien, tu lui passes ton chien et tu vas prendre celui-là. Ouais, c'est bien mon bébé. Empêche-le de sauter par contre. Prends le plus court, plus court. Non, stop. Plus court. Ok, lâche, 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 lâche. Il faut que tu prennes plus court, d'accord? C'est un chien en fait qui s'excite, qui s'énerve un peu. Donc, ne prends pas la tête tranquillement, tu le prends et t'avances. Le chien va avancer naturellement. Vas-y, regarde, j'avance et tu vas prendre la laisse. Avancez. Prends la laisse direct et t'avances. Avance direct. Voilà. Avance, avance. Voilà. Donc c'est un chien qui n'a pas été éduqué, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il est en pleine découverte. Là, il y a une surexcitation, c'est normal aussi. Hein. Là, on a mis des chiens, des gens, on a mis différentes choses. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un chien qui est très gentil, par contre il manque un peu d'éducation, donc c'est ce qu'il va falloir mettre en place. Mais sinon il n'y a aucun problème chez lui. Vous avez vu, il saute un peu sur les gens. Voilà, il est en surexcitation, je pense qu'il voit pas assez de monde et c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc à force de lui montrer des gens, il sera plus comme ça. C'est bien mon loulou. C'est très bien mon bébé boy. C'est bien Titi. Ouais, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude, tu vois. C'est bien mon boy, je suis fier de toi. Très bien. Alors oui, il saute, il mordit. Le problème c'est que ça pourrait un petit peu démarrer. C'est pour ça que là en fait j'ai mis un petit protocole en place pour qu'il évite de faire ça. Alors tu vois, regarde là. Hop, il est avec des chiens, j'ai mis plusieurs chiens. Tu apprends à se balader, voilà, super, très bien. Tu apprends à se balader calmement, à pas s'énerver et à pas tirer comme un tonneau là comme il faisait. Tu vas passer derrière avec Sox, s'il te plaît. Qu'il ait des chiens devant et derrière, reste derrière nous. Et tu vois, il est vraiment plus en découverte ce chien. Envie de découvrir les choses, donc je pense qu'il n'est pas beaucoup sorti. Voilà, donc c'était juste pour te faire une petite vidéo de Gatsby. Ok, je vais le reprendre 2 secondes. Hop, tu vas passer ton chien à Sandrine et tu vas prendre Gatsby. C'est bien Gatsby. Alors j'avance, vas-y, prends la laisse. Et vas-y, on y va, tu le tiens bien, on avance. Voilà. Déjà, on le met dans différentes mains pour qu'il apprenne un petit peu à pas sauter, à pas tout ça. Alors oui, là, il tire, pour l'instant, je lui prends pas trop la tête. Je prendrai la tête après. Pour l'instant, on s'embête pas trop. C'est bien, Gatsby, super ça. Voilà.